Alors, yo tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto. Comment avoir Crazy Taxi gratuit sur votre Android? Alors, je crois que le jeu est payant. Alors, vous allez sur le Play Store pour le vérifier. Crazy Taxi. Voilà, c'est celui-ci. Crazy Taxi de Sega qui fait 4,99 €. Donc, à la fin de cette vidéo, vous aurez ce jeu gratuit. Alors, vous aurez juste besoin de télécharger deux applications, c'est-à-dire Pirate Bay Browser et uTorrent. Alors, bien sûr, il y aura les liens dans la description. Vous allez dans Pirate Bay. Vous allez là où s'écrit tout, c'est-à-dire ici. Vous êtes dans Paramètres, Catégorie, et vous allez sélectionner la catégorie de jeu Android, qui est ici. Jeu Android. Là, c'est décoché. Là, c'est coché. Vous allez revenir. Vous allez taper Crazy Taxi. Quand vous allez taper Crazy Taxi, vous allez faire tout. Vous allez faire jeu Android. Alors, là, vous aurez Crazy Taxi version 1.2.0. Vous allez cliquer dessus. Là, vous aurez deux fichiers, Crazy Taxi. Là, c'est le lien dans la description pour vous emmener dans le Play Store. Vous allez faire cette petite flèche qui est ici à côté de la barre de recherche. Vous allez cliquer dessus. Ça va vous envoyer directement sur uTorrent. Alors, comme moi, le jeu est déjà téléchargé, vous allez faire ADD Add. Ok? Juste ici. Donc, moi, je vais annuler parce que j'ai déjà téléchargé. Une fois que le jeu sera téléchargé, vous allez sortir. Vous allez aller sur mes fichiers. Tous les fichiers. Bon, normalement, vous devez télécharger dans le stockage de l'appareil. Ici, non, télécharge, download. Vous allez Crazy Taxi point, version 1.2.0. Vous avez un fichier APK et un autre fichier ici, qui est le fichier OBB. Alors, vous allez d'abord installer l'APK. Faites suivant, installer. Et si votre téléphone est bloqué, vous allez dans les paramètres de sécurité et vous cochez source inconnue. Vous allez faire effectuer. Il reste juste une dernière manœuvre. Vous allez cliquer sur ce fichier-là. Vous allez lui faire copier. Vous allez dans Android. Vous allez dans OBB. Si vous n'avez pas OBB, vous n'avez qu'à créer un fichier qui s'appelle OBB, O avec deux B qui suivent. Vous allez faire coller ici. Donc ça se colle assez rapidement. Donc ceux qui n'ont pas assez de mémoire, vous avez qu'à faire déplacer. Et puis c'est tout. Moi je fais coller. Après, je supprime. Ici, je fais celui-ci. Je le supprime vu que je l'ai collé. Supprimer. Voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à lancer votre jeu. Et normalement, il se lancera sans problème, sans souci. Il est ici, Crazy Taxi. Si on va voir sur Play Store, Crazy Taxi de tout à l'heure, c'est écrit installé. C'est-à-dire que je n'ai rien payé. Vous avez vu tout à l'heure, c'est écrit 4,99 €. C'est comme si vous l'avez payé. Oh le, voilà, il y a des gens qui vont aller payer alors que vous l'avez gratuitement. Vous allez entrer dans votre application normalement. Normalement, le jeu devrait se lancer sans problème. Voilà. Normalement, c'est ça. Après, bon, ça fait partie du jeu. Faites jouer au jeu. Arcade.
Non. Pour vous prouver que c'est pas un fake. Ok, on prend lui. Comment c'est? Voilà, bon, je crois que c'est les touches. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si tu as un compte YouTube, t'as qu'à t'abonner pour retrouver mes autres vidéos. Écrivez-moi le jeu que vous voulez télécharger et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Salut.